Coucou les amis, donc je reviens aujourd'hui pour un petit haul de mes petites courses chez Lidl et mes promos. Donc je voulais vous montrer à quel point c'était intéressant. Donc j'ai repris des NBH et je prends souvent des mousses lactées au fromage blanc, j'adore ça. Et ça c'était 1 € et quelques. De toute façon je vous ai mis le ticket dès le début et je vous le remettrai à la fin. Vous pouvez faire pause et voir exactement les prix que j'ai pu avoir. Donc ça c'est on est 1 € et quelques. Les yaourts à la grecque pareil c'est 1 € et quelques. Franchement ils sont super bons. Il n'y avait que ce goût-là dans mon modèle. J'ai trouvé un pot comme ceci. Bah, écoutez, j'étais très contente de le trouver parce que ça va me permettre de me faire réchauffer mes soupes ou mes nouilles dans four à micro-ondes, en fait, parce que ça s'ouvre par là aussi. Et surtout, de le garder chaud. Il y avait des macchiato ici avec 30% de réduction. Donc, je les ai payés à 55 centimes au lieu de 75 centimes, un truc comme ça. J'ai pris une barquette de clémentine, j'ai laissé la barquette dans la voiture parce qu'elle était trop lourde, elle était à 3 € et quelques, j'ai pris juste les clémentines que je vais manger. J'ai trouvé également cette petite barquette de framboise à 1,75 € à peu près, donc c'est un petit luxe que je me suis offerte. Hein. En promo, j'ai aussi pris des tranches de saumon comme ceci, de 2,99 €, c'est passé à 2,09 €. Voilà, et c'est du saumon fumé d'Écosse. Voilà, saumon fumé d'Écosse, 2,09 €. Et donc, j'ai pris une barquette ici de tomates cocktail à 1,70 €, je crois. Non, 1,49 €. En fait, c'était moins cher que de prendre des tomates cerises qui étaient vachement plus petites. Du coup, bah, j'ai pris ça. Bah oui, c'est malin. Hein. Ensuite, j'ai pris des yaourts meringués comme ceci de 1,96 €. C'est passé à 1,39 €. Donc, c'était vraiment pas cher. Du coup, je me suis dit, je vais goûter. J'ai jamais goûté. Et comme j'adore le citron, du coup, je me suis dit, bon, ça devrait le faire. J'ai repris du bourgoule comme ceci. Et ce que j'aime dans ce bourgoule, c'est que c'est passé à 1,88 € au lieu de 2,69 €. Et la caissière me disait que, ben, ici, chez nous, ça ne marchait pas du tout le bourgoule. Et moi, je lui ai dit, ben, pourtant, j'adore ça. Je lui ai dit, ben, je sais pas, ici, parce qu'on les achète. Ben, c'est dommage. Je sais pas grave, il y en aura plus pour moi. Il y en aura tout en promo. C'est ce que ça veut dire. Et j'ai pris une salade du chef que je vais me taper tout de suite à 2,30 € au lieu de 3,29 €. Voilà, et elle était au saumon et c'était la seule. Et franchement, j'ai eu trop de chance. Dés de saumon fumé et œufs. Bah, c'était parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà mes petites courses. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Si vous aimez plus de vidéos comme celle-ci où je partage mes... mes petits achats chez Lidl, n'hésitez pas. Enfin, même mes petites courses en fait chez Lidl ou Leclerc. Enfin, surtout mes promos, quoi. N'hésitez pas à me le faire savoir en barre d'infos. Bisous, ciao! Coucou! Donc, je viens de recevoir la Birchbox. Je comprends pas parce que je me suis désabonnée. Mais en tout cas, elle est là. Donc, en attendant Noël, pourtant, ils m'ont pas prélevé. Enfin, je pense, mais bon, je vais vérifier. Donc, voilà comment elle se présente. C'est celle du mois de novembre, puisque j'ai vérifié sur Internet. Du coup, je ne suivais plus du tout, vu que je me suis désabonnée. J'ai moins 25% de réduction. Vous avez ce code promo Happy Noël, si ça vous intéresse. Moins 25% sur tout shop. Ensuite, un petit fascicule qui vous montre tous les produits. Et les produits, je vais vous les montrer. Donc, il y a cette crème pour le corps de la marque Ritual of Ayurveda. Donc, ça, c'est pas mal. J'adore la marque Ritual. C'est une marque qui coûte assez cher. La véritable crème de la Laponie Polar. Je connais bien la marque. Ici, on a un Your Hair Assistant. Donc, un conditionneur. Ici, on a un crayon noir. Comme ça. De la marque Architect. Et le parfum d'Occitane Terre de Lumière. Et un petit échantillon de parfum. Donc, voilà. Elle est pas mal, cette box. Hein. Franchement, pour Birchbox, d'habitude, les box, elles n'étaient pas comme ça. Hein.